Coucou tout le monde, bah qu'est-ce qu'il y a? Marika. Oh pardon ma chérie. On est toutes les trois dans le train. Et on va donc direction Béziers. Après on va prendre un taxi jusqu'au Cap d'Agde. Enfin particulièrement jusqu'à l'hôtel Cap Pirate. T'es contente? T'es contente? Il faut mieux grand que trop petit. Oh là là, quelle classe. Pas du tout le temps de vous reprendre, mais on est bien arrivé. On a même enfilé les maillots de bain. On a testé les piscines. Et on prend un bon goûter, n'est-ce pas, Yora? Et puis, il nous est arrivé plein de trucs. Moi, j'ai mes trucs de filles, mes règles surprises. Je suis contente. Donc, on a dû courir à la supérette chercher ce qu'il fallait. Ensuite, j'ai mon maillot de bain, la petite, le petit truc qui tient la bretelle a lâché, donc là, j'ai fait un nœud. Je verrai quand je serai de retour à Paris. Je suis ravie, mais tout va bien. On a du café, on a des gaufres, on a du soleil, c'est trop chouette. Et donc, on est à l'hôtel Cap Pirate du Cap d'Agde. Avec les filles, on est arrivées dans la chambre. On va vous faire découvrir ça parce que c'est la folie. Rachel, elle s'est endormie entre temps. Mais tu nous fais la visite, Yora. Alors là, tout de suite à gauche. Qu'est-ce que c'est? Une salle d'eau. Tableau. Oh, mais regarde comme c'est beau. C'est une salle de bain et là il y a une douche. Oh, c'est trop beau. Là il y a une douche, fais voir la douche. La douche elle est recouverte de trucs genre. Oh, c'est magnifique. Et de l'or. C'est de l'or, tu crois que c'est de l'or? Non. Alors tu me fais visiter la suite. C'est trop beau. Alors, moi ce que j'aime. Et là il y a un autre tableau. Ce que j'aime, c'est ça, regarde ça, c'est lumineux. C'est un peu chauffant du coup. C'est trop beau. C'est bon, marrant. Il y a des brosses à dents, si vous voulez. Ah oui, il y a même des brosses à dents. Regardez-moi ça, c'est pas trop cool. Ça rentre. Ah, c'est beau, c'est trop beau. On peut prendre parce que tu sais, moi, je peux regarder ça. Regardez ça, j'adore, je trouve magnifique. On a vu la même chose dans les toilettes. Ils ont fait une espèce de beau. Il y a de l'art sur l'eau. T'as vu le miroir comme il est beau? Allez, on continue la visite. Et là, il y a le. Oui, j'ai vu. Allez, on continue la visite. Alors là, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à droite? Alors, à droite, il y a nos chambres. La chambre des enfants. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Qu'est-ce qu'il y a là? Derrière le là, c'est pas très. Parce qu'il y a une barrière et un sort de choc. Ok, tu nous montres la suite? Ah oui. Juste déjà, derrière le bagage, il y a une carte. Mais on n'est pas obligé de regarder toute la déco, bébé. Fais-nous visiter. Et là, il y a notre tableau. Oui, oui. Non, les décos, elles sont magnifiques. Oui, elles sont magnifiques. Attends, je crois qu'il y a peut-être un. Là, c'est ma chambre. Avec Rachel qui dort. Là, derrière, il y a un autre tableau. Ici, on est où? Ici, on est où? Là, c'est la porte recouverte d'un tableau qui on a directement. Dans ma chambre avec Rachel qui dort sur mon lit. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, j'avais pas vu. Il y a un tableau au plafond. Moi, je l'avais remarqué. Oh là, c'est trop beau. J'ai pas encore ouvert les fenêtres. On a un petit salon avec une table basse. Magnifique. Mais attends, t'as oublié une pièce, là. Oui, je sais que j'ai oublié. Bon. C'est pour ça, rejoins-moi dans je te rejoins. Regardez-moi cette salle de bain de malade. Oh, mais cette baignoire, elle est dingue. Elle est ouf ici. T'as vu les pieds, c'est des poissons. C'est vraiment trop trop beau. La chambre, elle est magnifique. Je ne sais pas si les filles elles vont vouloir dormir dans leur chambre, ce qui est dommage parce que les lits sont superbes et tout ça. Mais, regarde, c'est les petits éléphants, je crois. Il y a vraiment la déco, elle est dingue. On va quand même aller ouvrir le rideau qui donne sur l'extérieur qu'il y a là pour aller voir ce qui se cache. À ton avis, Yora, qu'est-ce qui se cache là? Oh la vache! Le parquet. On a une terrasse qui donne sur le parc. Oh, c'est magnifique. Mais attends. Il y a un accès, là. C'est trop bien là. Un peu, hein. Ouais, c'est ça, tu vas aller mettre une casquette et de la crème solaire plutôt. Oh, viens voir ce que j'ai trouvé. Mais j'ai vu un hamac. Ok. Et il y a même un jacuzzi. Ouais, c'est celui que j'avais vu. Oh la vache, c'est du sable. Je marche dans le sable. Oh, j'adore le sable. Bon, je pense qu'il faut le. Une bête. Hamac, vas-y. En fait, déjà, j'ai pensé qu'il n'y a pas de chenille. Non, il n'y a pas de chenille, c'est bon. Alors. Attention. Vas-y, je le tiens. Vas-y. Vas-y. Ah,
Tu t'allonges et tu bouges plus. Alors ? Ouais, mais je pense que je suis venue de mauvais sens. Ouais, mais tu peux être bien comme ça aussi. Ouais. Aussi là, si tu bouges bien, que tu mets. Alors ? T'es contente ? Bon, j'ai enfilé le peignoir trop confortable. Et il y aura aussi. Rachel, je l'ai recouverte, elle dort. Je vais la laisser tranquille ou dormir. On va dîner à 19h30 après. Donc on y va mollo. De toute manière, je suis KO technique après le rythme de ces derniers jours. Je ne vais pas vous mentir. Du coup, là, j'en profite pour me poser au calme. Je travaille un peu sur mon téléphone aussi. Je pense à vous. J'essaye de vlogger, de tout vous partager au max. Je ne sais pas si je ferai un vlog par jour. Je pense pas. Je pense que je vais faire un vlog sur les 3 jours, là, plutôt. Et voilà. Voilà. Je me recouche. Je sais même pas quoi vous dire. Je crois. Qui c'est qui est prêt pour aller au restaurant ? Moi. Ouh, ma petite pirate. Alors, là... Rachel, t'es prête pour aller au resto ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? L'OM, il voulait... Regardez-moi. Il aura pas été très sympa, c'est vrai. Non. Trop mignonne. Bah, on y va ? On va, comme ça, on va. Je suis sérieuse, si tu veux pas devenir esclave de pirates. La crème solaire ? Non, il est 19h30, il n'y a plus besoin, mon amour. Demain, on la remet. Alors là, je voulais vous montrer tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, mais c'est devant la chambre. Regardez comme c'est beau. C'est trop, trop beau. C'est hyper bien décoré. Franchement, c'est magnifique. Et du coup, notre chambre, elle est là. Est-ce que t'es contente, Eliora ? Tu kiffes ? Je suis contente, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi j'ai choisi ça alors que je suis un pirate. Je sais pas. En plus, toi, Rachel, ça te plaît ? C'est vrai que pour ta dent que t'as arraché, t'as un petit coffre au trésor. Et là, vous allez voir, il y a un couloir. Et dans le couloir... Non, viens ici, Eliora, dépêche-toi. Et dans ce couloir, en fait, il y a de la déco, mais il y a aussi des bruits. Eliora ! Il y a aussi des bruits. Donc là, il y a un couloir. Et dans ce couloir, il y a aussi des bruits. C'est trop, trop rigolo. Je vais vous faire écouter, je vais vous montrer. Donc là, c'est le couloir qui va à la réception. Écoutez, vous avez les bruits, la déco, vous vous y croiriez. T'entends ? Le bois qui craque. Et maintenant, direction le resto au Pirata. T'es prête, Ellie ? Oui. Bon, ça y est, on est passé à table avec tout le groupe. Regardez ce plat là, comme il a l'air ouf. Les enfants, ils ont déjà quasiment fini de manger. Rachel est en train de terminer. Eliora, c'est bon ? Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième journée. On a pris le petit déj. Je vous ai tout mis en story sur Insta. Et là, on va voir comment on s'organise la journée par rapport au planning. Et on a le planning et la navette qui va venir nous chercher. On va aller à la plage. Moi, je vais monter dans la petite navette et on va aller à la plage. C'est trop chouette. Voilà. On a notre petite dame pirate pour nous conduire. Et c'est parti. Il y a Mélanie et ses garçons. Ils sont derrière. À la mer. À la mer. Ils sont trop mignons. On est bien arrivé au paradis. On est à la plage. Et regardez-moi ça. Les filles, elles ont, et les garçons d'ailleurs, parce qu'on fait comment qu'il y a des filles, elles ont un parasol pour leur espace de jeu. Merci Mélanie pour l'idée. Ils sont trop bien. À nous les mamans, on profite des transats. Regardez ça, si on n'est pas bien. La plage, elle est trop jolie. On est un peu seul au monde parce qu'on est vraiment tout début de période, là, de saison. Du coup, c'est encore plus agréable. Je vais vous montrer, c'est trop chouette. Même on a été se baigner, après on a vu deux méduses, donc on a dit on retournera plus tard. Mais c'est comme à Ibiza, comme là où je vais. C'est pas profond, les enfants ils ont pied, c'est pas des grosses vagues, c'est hyper agréable. Regardez comme c'est chouette. Bon ça y est, la plage c'est terminé pour aujourd'hui. C'est dommage, on était trop trop bien, mais on va faire une chasse au trésor avec les enfants. Je crois qu'ils ont tous très hâte. Petite chasse au trésor avec les enfants pour digérer. Ils sont à fond, surtout Enzo. La roue du bateau avec les clous dorés, on cherche. Nous voilà de retour après une pause, une petite sieste pour Rachel, prête, pimpée pour aller dîner. C'est parti. Et du coup, on va direction le bar. Ce soir, c'est soirée tapas. Les bras ? Avec du beurre. Ce soir, ces petites planches de fromage, de charcuterie pour le plus grand bonheur des enfants. Si.
Et voilà, c'est le dernier petit déjeuner ici. Donc si elle profite un peu, mais bon, pour nous dire au revoir, on a eu un peu de pluie. Donc je sais pas ce qu'on va faire, si on va aller à la piscine ou pas. On va voir. Parce que là, c'est en train de se couvrir. Je sens le truc moyen, quoi. Bon, allez, on se fait un petit jacuzzi. Comme on n'a pas un grand soleil, on va profiter du jacuzzi, là. Est-ce que l'eau est froide? Non, elle est pas froide, elle est chaude. Viens, Rachel. L'eau, elle est chaude. J'ai pieds dans le jacuzzi. Alors, elle est belle, ta vie, dans le jacuzzi? Elle est chaude, cette vie dans le jacuzzi. Pauvres enfants malheureux, hein, moi je vous dis. Hein. Encore des enfants malheureux. Ah, Eliora, t'es malheureuse? Non, je suis pas malheureuse. On a fini le jacuzzi. Oh, on fait une petite pause pour se sécher sur le bed qu'il y a dans la, sur la terrasse, au jardin. Là, c'est trop bien. Voilà, arrivé à la plage pour déjeuner. Les filles, elles en profitent pour jouer dans le sable. 14h30, on partira finir de ranger la chambre et les affaires et attendre notre taxi pour ne pas louper notre train. Ça m'angoisse de ouf. Au pire, Mélanie m'a proposé de me déposer si j'avais pas de taxi. Je me dis, ça se trouve, le mec, il va me zapper. Je sais pas vous, mais moi, je suis trop une stressée. J'ai peur de louper mes trains, mes avions, tout. Il y a que quand je pars en voiture que je suis détente. Et toutes les bonnes choses ont une fin. C'était bien la plage, chérie? Oui. C'est trop bien. Mon amour. T'as pris mon pantalon. T'as du sable partout. On sait plus si c'est des taches de rousseur ou du sable, mon cœur. Oui, c'est la fin. Là, je suis dans le porte-bébé. Et Laura, elle sort ses sous pour se prendre un petit souvenir. Les valises sont là. Avec les autres sacs. Je suis en PLS à la gare d'Agde. Il n'y a pas d'accès PMR, du coup je dois porter la valise dans les escaliers. Mais c'est pas grave, je vais demander de l'aide. Et nous voilà, dans le Ouigo, direction Paris. Il y aura tout son bazar dans son sac, je vous jure. Oh purée, il y a des saucisses. Ouais, il y a des saucisses. C'est la fête. Oh non, j'ai mis des feuilles devant. Voici mon palais. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez, on est de retour en Normandie, on est arrivé vers 23h hier soir. Les filles, Rachel dormait déjà, il y aura été calme dans la voiture, mais chaos technique. Et surtout, pendant que l'on était au Cap d'Agde, Loïs a fini de déménager tout l'appartement que vous connaissez si vous êtes depuis un moment de Boulogne. Et du coup, quelque part, heureusement que j'y étais pas, je pense que j'aurais versé toutes les larmes de mon corps parce que cet appartement, on y a fait tellement de choses, on y a vécu tellement de choses que... Donc, je pense qu'émotionnellement, ça aurait été trop dur pour moi. Attendez, je me mets une petite sucre dans mon café. Et le truc, c'est que du coup, j'ai plein d'affaires à ranger. Là, je suis en train de finir de préparer les petites lunchbox des filles. Du coup, elles ont du concombre, un fruit chacune. Donc, Rachel, des raisins sans pépins. Et il y aura une pêche plate. Saucisson Babybel, pareil. Du concombre. Et là, de la semoule qui est en train de terminer de cuire tranquillou. Donc, je prépare ça. Et puis, je vais essayer de leur préparer des petits pancakes aussi rapidos. Est-ce que j'ai encore des œufs? Yes, I got eggs. Et si jamais vous avez besoin de reconnecter avec vos enfants, partez seul en week-end avec eux. Honnêtement, ça nous a fait un bien fou. Honnêtement, ça nous a fait un bien fou aux filles et à moi. Alors qu'on est tout le temps ensemble, mais ça nous, je sais pas, on a reconnecté. C'était ouf, 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 ouf. Oh, Tara, tu me fais mal, chérie. Ah oui, regardez. Si vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est un ratatouille qu'on a récupéré qui était chez ma maman. Qui est venu me chercher à la gare. Qui est venu me chercher à la gare, chérie d'amour. Avec papa. Oh mon doudou, chien d'amour. Oh oui. Oh oui, mais comme je suis en jambes nues et que cette demoiselle me suit dessus avec ses petites griffes d'amour, ça me fait bobo. D'accord. D'accord. Oh oui. Après 3 jours sans cuisiner, on reprend les bonnes habitudes.
comment vous dire que cette matinée, je n'ai pas du tout repris le vlog après avoir déposé les filles à l'école. Et surtout, il faut que je vous montre parce que Loïs est revenue avec pas mal d'affaires de Paris et de quoi ranger l'entrée. Du coup, si vous me suivez depuis longtemps, vous reconnaissez ce porte-manteau. Hop, je sais pas pourquoi, mon téléphone il filme chaud, mais ce porte-manteau et ce porte-chaussures. Du coup, je vais pouvoir ranger tout ça. Ça, il faut que je le jette. Il y a des agrafes qui dépassent. On s'est déjà tous fait mal avec. Là, je vais le vider, trier ce qu'il y a dedans. Et arrêter d'avoir ce petit dépotoir, ranger les affaires du voyage et tout ça. Et ranger tout ça. Même plus vlogué, bon j'ai préparé le dîner. Là il y a les filles qui sont en train de manger et nous on attend des copains de Loïs. Et Loïs il repart avec eux. Ouais ils viennent juste déposer un truc et prendre papa avec eux. Mais ils vont rester assis. Juste le temps de dîner. Ok. Bon ça y est, il y avait... quatre bonhommes qui ont débarqué en plus à la maison. Il est 22h30, ils viennent de finir de dîner. On a vraiment trop rigolé par contre à table. C'était trop rigolo. Et Loïs est parti avec ses potes, ils rentrent sur Paris. C'était une chouette soirée, les filles étaient détendues, elles se sont endormies juste avant que tout le monde arrive. C'était vraiment trop bien. Donc là maintenant, il faut que je débarrasse tout ça et que j'aille me coucher.